Parce que nous sommes dans la joie d'aller à la maison du Seigneur. Et de voir ses beaux visages. Amen. De voir les Jésus. Les Jésus. Alléluia. Alors on peut saluer son frère. Gloire au Seigneur. Ce sont les trophées. Les trophées de la croix. Gloire au Seigneur. Ce pour qui il est allé à Golgotha. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous étions en lui et il nous a manifesté. Et nous sommes heureux de savoir, gloire au Seigneur, qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus-Christ. Si un enfant avait pour papa le président, oui, son papa c'est le préfet. Oh, mais quelle assurance! Il marcherait dans la ville, amen, se montrant comme étant l'intouchable. L'intouchable. Gloire au Seigneur. Même celui qui l'injurie ne peut pas riposter. Parce que son papa, c'est le préfet. Son papa, c'est le président. Mais nous, notre Père, c'est le Père des Pères. C'est le Roi des Rois. Le Seigneur des Seigneurs. C'est l'auteur de la vie. Le Créateur des cieux et la terre. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas des enfants impolis, mais des enfants obéissants. Amen. Et gare à celui qui nous touche. Celui qui nous touche, touche la prunelle de ses yeux. Amen. Et cela suscite le courroux de Dieu, la colère de Dieu. Amen. Quiconque te maudira sera maudit. Et quiconque te bénira sera béni. Heureux ceux qui bénissent les chrétiens. Heureux ceux qui bénissent les chrétiens. Et malheur à ceux qui se dressent sur leur chemin. N'est-il pas merveilleux? À Dieu soit la gloire. Et sachez qui vous êtes. Vous êtes le Fils du Très-Haut. Amen. Loué soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons la parole, nous prenons la parole. C'est Dieu sous forme écrite. Dieu dans un livre. Gloire au Seigneur. La divinité dans un livre. Amen. Genèse 14, versets 14 à 16. Et nous lirons aussi 2 Timothée chapitre 2, les versets 2 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 6. Amen. Pour nous exhorter à la marche, soldat né dans la maison d'Abraham. Voilà, nous allons nous encourager à travers cela. Soldat né dans la maison d'Abraham. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés, amen, dans sa maison. Il arma 318 de ses plus braves soldats, un serviteur né dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Voyez-vous, Damas qui est très loin là-bas, depuis Genèse, de vieille ville. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et
Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, pas à n'importe qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Que tes bénédictions viennent sur ta parole. Ô Dieu, enfin que ta parole en chacun de nous, ô Dieu, accomplisse le dessein pour lequel elle est prêchée. Dispose notre cœur. Fasse que, Seigneur, ces paroles soient pour nous les meilleurs comprimés, les meilleures vitamines. Prie pour la guérison de nos âmes, de nos corps, afin que nous soyons de meilleurs chrétiens. Ô Dieu Tout-Puissant, comme tu as connu Job et tu as pris position pour lui devant le diable, oh, puisses-tu prendre position aussi pour nous. Oui, parce que, ô Dieu, tu nous as entraînés, tu nous as façonnés, ô Dieu, comme l'argile, afin de nous parfaire par ton esprit et par ta parole. Seigneur, laisse que nous soyons de meilleurs chrétiens, remplis du Saint-Esprit, de meilleurs soldats qui défendent la maison du Père. Bénis cette assemblée, que ta grâce vienne sur elle et sur ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Nous sommes heureux de venir en sa maison. Amen. C'est une chose agréable. Amen. Que d'être dans la maison du Seigneur. Autant du soir ou soir de la semaine. Amen. D'être dans la maison du Seigneur pour l'adorer. Amen. Puisse le Seigneur nous encourager. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous. Amen. Nous sommes fidèles. Et nous ne nous lassons jamais. Amen. D'être dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je disais à quelqu'un dans la semaine, le mariage, c'est un mystère. Le chrétien et son église, le chrétien et Jésus-Christ, la marche du croyant, du chrétien, amen, c'est un mystère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je comparais cela, amen, à un mariage dans le foyer. Voyez-vous, l'homme, amen, il ne connaissait même pas cette femme. Cette femme ne savait même pas que cet homme serait son mari. Amen. Elle n'a jamais pensé à lui. Elle est née, elle a grandi, elle est devenue une femme. Lui aussi, il a grandi de ce côté-ci. Il est devenu un homme. Et un jour, amen, les deux se rencontrent. Quelque chose est né. Et les deux se marient. Amen. Et ils doivent vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Amen. Ensemble, sans se lasser, sans se fatiguer. Amen. Sans être fatigué de voir l'autre. Vous dormez tous deux dans le même lit, vivez dans la même maison, et jamais un ne ressent le besoin d'aller en voyage pour prendre congé de l'autre pour un moment. C'est un mystère, frère. Gloire au Seigneur. Vous vous désirez toujours. Vous avez soif l'un de l'autre toujours. Amen. Et la femme ne prend pas congé pour dire « Je vais voir maman pendant une semaine, deux semaines. » Amen. Gloire au Seigneur. Les gens vont se plaindre, mais depuis que tu es marié, on ne te voit plus. L'homme, on ne te voit plus. Ou bien quand on te voit, on voit madame. On voit madame, on voit son mari. Vous devenez inséparables. Quelque chose est né, vous a scellé, vous a colmanté, vous a cimenté. Et ne peut jamais vous dissocier. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi est l'attachement du croyant au Seigneur. Amen. Et le signe que je suis attaché à mon mari Jésus-Christ. J'aime être dans sa maison. Amen. Comme la femme aime être dans la maison de son mari. Gloire au Seigneur. Elle va le servir, lui donner de l'eau chaude à se laver, à laver ses habits, à laver ceci, à faire ceci.
et elle ne se plaindra jamais. Elle ne sera jamais fatiguée. Et nous aussi, nous aimons Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, nous aimons être dans la maison de notre Père, dans la maison de notre mari Jésus-Christ. Alléluia. Puisse-t-il renouveler cet amour et que, quelles que soient les difficultés de la vie, nous puissions toujours entrevenir sur l'arbre, revenir à l'ombre de ses ailes. Là est le vrai repos. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur renouvelle toujours vos forces. Alléluia. Et vous puissiez toujours trouver en lui la force nécessaire. Amen. Parcourir des distances, des quartiers, prendre taxi, abandonnant des choses, des films et toutes ces choses. Amen. Alléluia. Et venir l'adorer. Et nous savons qu'un jour, on sera toujours et toujours avec lui. Amen. Et notre présence continuelle dans sa maison sont les prémices, amen, de cette communion éternelle. Soldat né dans la maison d'Abraham. Voyez-vous, une armée, amen, les soldats, amen, sont très importants dans un pays. Amen, pour la protection du pays, pour l'intégrité du pays, la protection de ses lois. Gloire à Jésus-Christ. Et amen, les soldats sont comme les cornes de l'agneau. La protection de l'agneau. Les cornes du pays. Amen, pour défendre le pays contre toute adversité. Béni soit le nom du Seigneur. Les soldats travaillent pour que l'ennemi ne fasse pas invasion dans le pays, mais pour que l'intégrité, la totalité, les frontières du pays soient gardées. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il travaille à l'extérieur et il travaille à l'intérieur. Gloire au Seigneur. Ils sont comme les quatre êtres vivants, c'est cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ils ont des yeux qui sont au dehors, en arrière et au dedans. Béni soit le nom du Seigneur. Et un soldat, c'est une sentinelle. Amen. Un soldat, il protège le pays. Amen. Contre les intrusions, les ennemis qui viendront pour attaquer le pays. Même quand à l'intérieur ça ne va pas, même quand à l'intérieur les partis politiques se déchirent à l'intérieur, le soldat, amen, le soldat protégera toujours le pays contre les intrusions. Même si à l'intérieur on ne s'attend pas un peu bien, mais celui qui est au dehors, ce n'est pas son affaire. Nous sommes des soldats. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. William Branham dit, les petits Branham, ils font leurs petits palabres à l'intérieur. Mais au dehors, ils sont unis et soudés. J'aime toujours cette image. Lorsque ils ont fait sortir Joseph du puits, hein, lorsque Joseph est ressuscité pour aller au pays des nations, pour avoir une femme. Voyez-vous, lorsque on l'a fait sortir, amen, et que les Amalécites, ces gens-là étaient venus, ils l'ont fait sortir, ils sont en train de l'attacher et tout ça, le taper, quelque chose dans leur cœur s'est réveillé. Amen. Lorsqu'ils étaient en train de taper, ils sont allés ensemble comme attirés d'un coup, ils ont fait un mouvement comme pour défendre leurs frères. Même s'ils l'ont vendu, amen, à des pièces d'argent. Amen, et pour l'envoyer au pays des nations, mais ils aiment toujours leurs frères. Et le jour où ils le retrouveront, ils pleureront. Amen. Et voyez-vous, c'est cela, le soldat. Donc il travaille pour défendre le pays. Et il travaille aussi à l'intérieur. Amen, pour garder l'ordre républicain. L'ordre, la loi du pays, parce qu'il incarne, gloire au Seigneur, le pouvoir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, il travaille pour le respect de la loi. Amen. Et nous savons, un soldat n'est rien s'il n'a pas l'épée, s'il n'a pas d'armes. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.
N'oubliez pas, William Marion Branham dit, l'église, une église chrétienne est une armée de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, nous montre que nous sommes des soldats. Et le soldat sans armes n'est pas un vrai soldat. Lorsque le premier sceau s'ouvrit, amen, alléluia, Jean vit, amen, un cheval blanc et un homme, amen, sur ce cheval blanc qui partit pour vaincre. Mais il n'avait pas d'épée, mais il avait un arc. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et parce qu'il avait un arc, mais sans épée, il ne pouvait véritablement pas vaincre. Il pouvait effrayer les gens, mais il ne pouvait pas réellement les vaincre. Et le soldat doit avoir une arme. Et nous sommes des soldats. Et nous devions avoir une arme. Et lorsque nous parcourons l'écriture, nous voyons que dans Éphésiens, il a dit l'épée de l'esprit, qui est quoi? La parole. Donc la parole est une arme. C'est l'arme offensive et défensive. Béni soit le nom du Seigneur. Tu prends aussi pour attaquer. Et puis pour te défendre aussi. Amen. Lorsque Jésus dans Luc 4, Matthieu 4, lorsque le diable dit, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, etc. Amen. Jésus répliqua, vous dit, il est aussi écrit. Ça, c'est la défense. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Adore-moi, etc. Tu n'adoreras aucun autre Dieu. C'est la défense. Alléluia. Et arrière de moi, Satan. Ça, c'est la défense. C'est l'offensive. C'est cela. Gloire au Seigneur. C'est l'attaque. Donc la parole est tout. La parole nous garde. Le véritable chrétien, il a l'épée de l'esprit qui est la parole. Et il a aussi la prière. William Branham dit, c'est l'arme la plus puissante que Dieu ait jamais mise dans la main d'un homme. Et cependant, nous avons peur des sorciers. Nous avons peur de ceci. Nous avons peur de cela. Gloire au Seigneur. Nous avons ces deux armes, la parole et la prière. Nous sommes omnipotents. Nous sommes omnipotents. Nous sommes tout puissants. Nous ne devions pas craindre. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Face à quoi que ce soit, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Nous vaincrons toujours. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le soldat garde le pays de toute intrusion et de toute rébellion dans le pays. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. En prenant William Branham, Dieu a pourvu à un agneau. Amen. Nous allons lire un peu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes une armée. Gloire au Seigneur. Et nous sommes appelés, alléluia, en regardant ce que le soldat fait, nous puissions savoir quelle est notre place, quel est notre rôle, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Nous avons un pays, nous avons une patrie, n'est-ce pas? Nous le savons, c'est la parole, c'est le message de l'heure. Amen. Et aujourd'hui, combien c'est malheureux. Mais que Dieu nous donne de ne pas oublier cela. Quelle que soit l'assemblée du message, lorsque nous disons que nous sommes une assemblée du message, on ne doit pas se combattre. Quelquefois, une assemblée du message, qui se dit du message, va aller tenir des conférences dans une assemblée méthodiste, dans une assemblée pentecôtiste. Il va aller s'associer à des dénominations parce qu'il a trouvé une nouvelle doctrine quelque part. Aussi longtemps que tu te réclames du message, tu ne dois pas, amen, tisser un lien quoi que ce soit avec les dénominations. Amen. Donc nous sommes, amen, allons-y, nous sommes de la maison d'Abraham. Nous sommes de la maison d'Abraham. Et la maison d'Abraham, c'est quoi?
C'est le message. C'est le message d'H.A.M. C'est le message de William Marion Branham. Nous sommes de la maison d'Abraham. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous devions être soudés. Et non, ne pas, amen, donner d'arguments aux dénominations. Alléluia, pour attaquer le message. Ne supportons jamais cela. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Même et dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Dans l'assemblée. Nous sommes des soldats pour défendre la cause de l'assemblée. Aussi longtemps que tu es de la maison, tu ne dois pas t'associer avec qui que ce soit pour parler contre l'assemblée, contre ton frère, contre le pasteur qui te prêche. Jamais, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Même si le pasteur vous a demandé de demander quelque chose, peut-être que la chose est difficile ou bien je ne sais pas quoi. Tu n'iras pas t'arrêter avec un païen, avec un dénominationnel. Tu dis, oui, chez nous, là, même moi, je ne comprends pas le pasteur. Hein, frère? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu es un soldat du pays. Amen. Tu es un soldat de la patrie. Amen. Tu es un soldat de la maison. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Abraham doit pouvoir compter sur toi. Amen. Amen. Pour le combat, pour défendre la cause de l'assemblée. Nous sommes d'accord? Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Face. Amen. À l'extérieur, etc. Nous devions garder l'unité. Amen. Et maintenant, à l'intérieur, travailler pour garder aussi l'unité. Amen. On ne doit pas soutenir les déchirures. Il faut créer l'atmosphère qui amène la bénédiction, qui amène le miracle. Le surnaturel n'aime pas là où il y a des soucis, il y a des discordes. Le surnaturel n'aime pas ça. Oh, là où est Dieu, William Branham dit, là où est Dieu, là est le surnaturel. Béni soit le nom du Seigneur. William Branham dit, de même que tu ne peux pas tomber dans l'eau sans te mouiller, gloire au Seigneur, là où est Dieu, il y a le surnaturel. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu crois en Jésus-Christ, amen, le surnaturel doit t'accompagner. Amen. Les prodiges doivent t'accompagner. Amen. Les miracles doivent t'accompagner. Amen. Ben, c'est ce que Marc 16 dit. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Est-ce que moi je crois? Oui, je crois. Amen. Alors si je crois, où sont les miracles? Amen. Ce n'est pas si votre pasteur croit. Ce n'est pas si telle personne croit. Si tu crois, si je crois, voici les signes, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Gloire au Seigneur. Et quelquefois, on veut faire les choses comme si la puissance ou la force venait de nous. C'est un nous qui accomplissons cela. Alléluia. On ne cessera jamais de le dire. David ne regardait pas sa taille. David ne regardait pas son nom. David ne regardait pas sa famille. Gloire au Seigneur. Goliath se tenait devant lui. Il n'a pas regardé à la chair et au sang. Il n'a pas regardé à sa taille. Mais il regardait à son Dieu. À la promesse, à la parole de son Dieu. À ce que son Dieu est capable de faire. Il a cru. Frère, aussi longtemps que nous sommes des croyants, il n'y a pas un problème. Amen, qu'il soit au-delà de notre portée. Amen. Seigneur, si c'est ta volonté, qu'il en soit ainsi. Amen. Mais si ce n'est pas ta volonté, que cette chose se déplace devant moi. Et même quand c'est la volonté de Dieu, Ézéchias va changer la pensée de Dieu. Hein? Gloire au Seigneur. Ésaïe retourne lui dire qu'il ne mourra pas. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Il faut créer l'atmosphère. Nous ne sommes pas des soldats pour nous combattre.
Mais nous sommes des soldats pour combattre le diable. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut garder. On va arriver là tout à l'heure. Alléluia. Nous parlons de l'assemblée. Nous ne sommes pas des soldats pour créer la confusion. Ne créez pas des choses dans la pensée des gens. Est-ce que le frère là, il croit? Est-ce que le frère là, il croit, etc. Et tout ça. Parce que par notre marche, notre attitude, notre comportement, notre zèle, on n'encourage pas l'autre. Comme je disais la dernière fois, on ne donne pas envie à ma soeur ou à mon frère de servir le Seigneur de tout son cœur. La Bible dit « Aide du zèle ». Gloire au Seigneur. Nous devions être bouillants pour le Seigneur. Je ne dois pas par mon attitude, par ce que, même si quelque chose, l'apôtre Paul dit, je peux te permettre de manger telle chose. Mais si cela va constituer une occasion de chute pour mon frère ou pour ma soeur, je ne mangerai pas cela. Donc il y a des choses que je peux faire. Amen. Il y a des choses, même si aujourd'hui là vraiment, mes habits là, etc., c'est aujourd'hui là. C'est ça là seulement j'ai à porter, c'est ça là seulement je peux porter pour venir à l'église. Tous les autres sont, etc. et tout. À cause de mon frère ou de ma soeur. Je dois faire tout possible pour ne pas que mon habillement soit une occasion de chute pour amener la confusion dans l'église. Est-ce que, amen, l'habit que j'ai porté ne va pas susciter des incompréhensions, des questions dans la tête de mon frère, de ma soeur à mon égard? Je dois faire attention. Béni soit le nom du Seigneur. Que mon habit, mon comportement, mon attitude ne soit pas une occasion de chute pour mon frère ou pour ma soeur. Amen. Je dois éviter d'amener la confusion dans le pays. Je suis un soldat pour défendre le pays. Amen. À l'extérieur, mais défendre aussi le pays à l'intérieur. Je dois veiller à ce que mon frère, ma soeur, je dois l'approcher pour dire: frère, j'ai quelque chose à te demander, je voulais te parler. Je te prends à côté, je te parle. Je te prends à côté, je te parle. Amen. Parce que je suis un soldat, je veux qu'il y ait la paix et l'harmonie dans le pays. Nous sommes d'accord? Je suis un soldat de Christ dans l'église pour veiller à ce qu'il y ait l'harmonie, le calme et la paix, amen, entre les hommes. Dans l'église et dans l'assemblée. Je ne dois pas supporter qu'il y ait de la discorde dans l'église, qu'il y ait des mésententes dans l'église. Je ne dois pas supporter que tel ne parle pas celui-là, tel ne salue pas celui-là. Je ne dois pas supporter ça parce que je suis un soldat de Christ. Jésus m'a mis là pour le faire à sa place. Je suis un soldat. Nous sommes d'accord? De par mon attitude, est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça ne va pas provoquer problème? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ce que je suis en train de dire, ou bien mon attitude vis-à-vis du frère ou de la soeur là, est-ce que ça ne va pas provoquer, ça ne va pas faire que mon frère là, il va me suspecter qu'on dirait que le frère là, il a quelque chose contre moi, ma soeur, etc. et tout ça. Je suis un soldat, je dois veiller à ce que moi je ne sois pas un problème pour le pays. Je suis là pour régler les problèmes dans le pays, mais pas que je sois un problème pour le pays. Si dans un pays on appelle les policiers ou bien les militaires ou bien je ne sais pas quoi, on dit non, etc., ou bien ils se font la guerre, les policiers sont en palabre entre eux. Ou bien les militaires sont en palabre entre eux. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Gloire au Seigneur. Pour que le policier, le militaire soit efficace. Amen. Pour combattre les choses qui ne sont pas bien, il faut qu'à leur sein, il y ait l'attente et la communion. Amen. Les pistolets qu'ils ont, ce n'est pas pour se combattre entre eux, mais c'est pour combattre l'ennemi commun.
Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Le soldat ne combat pas sa propre patrie. Il n'amène pas la confusion dans le pays. Amen. Mais nous combattons le péché. Nous combattons le diable. Nous combattons les démons. Nous combattons la maladie. Afin de ramener mon frère qui est dans les liens du péché, le ramener, amen, dans un bon état, qu'il retrouve un état qui soit bien. N'est-il pas merveilleux? Abraham, Lot l'avait quitté, n'est-ce pas? Lot l'avait abandonné. C'est comme si Lot avait quitté le message. Amen. Et il allait très loin. Certainement, peut-être avec ce qu'il a appris aux côtés d'Abraham, etc. et tout ça, il est allé aussi faire église ou je ne sais pas quoi. Lot est parti. Amen. Mais Abraham l'aimait toujours. Et le considérait toujours comme son frère. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque Abraham a appris que son frère, amen, a été pris par l'ennemi, lui et ses biens, lorsqu'il a appris ça, il n'est pas resté là à ne rien faire. Vous comprenez cela? Le fuyard, même quand il a vu ça, il est venu le rapporter à Abraham. Je peux dire, il est venu dire au pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre frère a été saisi, a été pris par l'ennemi, lui et ses biens. Et il sait que si Abraham apprend ça, il ne restera pas sans rien faire. Que Dieu nous aide, frère. Gloire au Seigneur. Il sait que Lot s'est éloigné. Amen. Et l'ennemi s'est rendu maître de lui. Mais si Abraham apprend ça, Abraham fera quelque chose. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et ce qu'il pensait et tout ça, Abraham ne l'a pas déçu. Lorsqu'il est venu dire à Abraham que Lot a été pris, Abraham a armé 318 de ses serviteurs. Il a fait d'eux des soldats pour aller libérer Lot. Amen. De la main de ses ennemis. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela aussi nous donne de comprendre que non seulement nous devions évangéliser, parce qu'il y a des personnes qui sont dans les liens du péché, qui sont nos frères. Amen, frère. C'est pourquoi même quelquefois, vous voyez des personnes même qui vivent dans le péché même à l'extrême, mais ne les choquez pas. Vous comprenez cela? Cet homme-là peut demain devenir un chrétien qui va vous surprendre. Peut-être que toi, tu ne peux pas l'amener. Mais peut-être que ton frère l'amènera. Il viendra et il te verra ici. Vous dites, ah, donc toi, c'est ici que tu pries. Mais il ne faudrait pas que, ah, c'est ici que tu pries là, soit une occasion de chute pour lui. Même si, au dehors, on n'a pas parlé du Seigneur au voisin ou à quelqu'un, etc. Mais donnons une chance aux frères ou aux sœurs de pouvoir approcher cette personne qui est peut-être notre voisin. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. On peut décider de venir évangéliser votre quartier. Et on va venir, on sait que le frère ou la sœur habite ici. On va aller parler à son voisin. Nous, nous comptons sur toi pour que dimanche, peut-être tu viennes avec la personne. Mais pas lorsque la personne va te voir. Il dit, ah, tu pries toi aussi tu pries dans leur église là. Toi-même, dans ton cœur, dès que tu entends la femme là te demander cette question, ou bien l'homme là te poser la question, toi-même, tu sais qu'il viendra plus. C'est-à-dire, s'il sait que c'est là-bas, toi aussi tu pries, il ne viendra plus. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Si vous habitez dans une cour commune, amen. C'est pourquoi notre comportement doit être bien. Notre comportement doit être bien. Amen.
Quelquefois, de par votre, il est dit bien sûr, nul n'est prophète chez soi. De par votre, collaboration ou bien les contacts dans la cour ou bien dans le voisinage, etc. Quelquefois, tu vas aller parler de Dieu à la personne et tout. Peut-être qu'il va te prendre comme l'autre, comme un présentin. Mais il ne faudrait pas qu'il retienne des choses négatives à votre sujet. Quelque chose qui peut être pour lui une occasion de chute, lorsqu'on va lui apporter l'évangile, à cause de toi, il ne viendra pas. Mais il faudrait que, en se rendant compte que toi, tu pries dans cette assemblée-là, et dis, ah oui, je comprends. Oui, c'est lui qui est à côté ici. Ah, c'est chez vous, il prie. Oui. Ah oui, vraiment, je comprends. En tout cas, il est bien. Vraiment, elle est bien. Non, vraiment, si c'est chez vous, il prie, vraiment, c'est que l'église là, c'est bon. Ce sont des choses pareilles que nous voulons entendre, frère. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Cela doit, amen, dans l'évangélisation, aller ramener un frère. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Notre combat, c'est contre le péché. Notre combat, c'est contre le diable. Notre combat, c'est contre les démons. Notre combat, c'est contre la maladie qui lie la vie de mon frère, de ma soeur, qui l'empêche d'être libre, qui l'empêche d'avoir la liberté de servir Jésus-Christ. Veillons à ce qu'il y ait une bonne harmonie dans l'église. Nous pouvons dire amen. Gloire au Seigneur. Et mon combat personnellement, ton combat personnellement, tu dois veiller à ce que ton frère qui est dans l'église ne soit pas lié par le péché. Ne soit pas lié par le diable. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Nous avons des sujets de prière. Nous avons des sujets de prière. Amen. Que rien ne soit un obstacle. Rien ne puisse lier mon frère et l'empêcher, amen, de donner sa vie au Seigneur. Si c'est le travail, si c'est la pauvreté, si c'est la maladie, quel que soit la chose qui lie la vie de mon frère et qui l'empêche d'être un bon chrétien, Seigneur, je viens comme un soldat pour que mon frère soit libéré à l'intérieur. Et à l'extérieur, celui qui ne connaît pas encore la parole, qui ne connaît pas encore le message, je suis un soldat pour aller vers lui, pour lui parler, afin de le ramener à Abraham, de le ramener à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et cela passe par une vie bien, une vie consacrée. Et Dieu cherche des agents, Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il va employer, au travers desquels il va agir pour sauver quelqu'un. Amen. Pour amener quelqu'un dans la maison. Ramener quelqu'un dans la parole. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il faut projeter, on va lire cela. Amen. Et voici, nous pouvons terminer. Dieu a pourvu à un agneau. Amen. 14:6. 56, paragraphe 26. Maintenant, nous voyons qu'Abraham, ensuite Lot s'est séparé de lui. Et il a eu des ennuis. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Et voici une belle image de l'amour de Dieu. J'aimerais que vous voyiez cela. Et Christ va à la recherche du rétrograde et du pécheur. Lot s'est séparé d'Abraham et il a eu des ennuis. Amen. Si une personne est réellement prédestinée, à moins que la grâce de Dieu soit épuisée à son égard, vous ne pouvez pas être une semence royale d'Abraham. Rencontrez la vérité. Cette lumière de la vérité te frappe. Toi-même, tu reconnais même cette vérité. Comme l'apôtre Paul le dit dans Hébreux 6, là-bas, etc. Après avoir goûté la bonne parole. Et abandonner la parole, la vérité.
vous en aller et avoir une vie tranquille. Même si vous êtes assis dans l'église et qu'à l'intérieur de vous, vos pieds sont ici, mais votre cœur n'est pas ici. Vos pieds sont assis dans l'église du message, mais votre cœur n'est pas pour le message. Vous êtes rétrograde. Peut-être que vous n'êtes même pas rétrograde, vous n'avez jamais cru. Parce que le rétrograde, c'est celui qui était sur la montagne. Et puis, qui est descendu. Mais vous pouvez être assis ici, mais vous n'êtes jamais monté dans la montagne. Abraham était dans les chaînes de Mamré. Et l'autre était en bas dans la vallée là-bas. Il a quitté les chaînes de Mamré. Il est descendu dans les vallées. Et il a eu des problèmes. Gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez venir dans ce message. Vous n'avez jamais rejoint Abraham là-bas. Les anges ont dit à Lot, sors de la plaie, sors de Sodome. Ce lieu sera détruit. Ce lieu n'a pas d'avenir. Va te réfugier dans les montagnes. Rejoins Abraham. Il dit non, 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 il veut toujours rester dans les plaies. Et après avoir sorti de Sodome, il allait créer un autre Sodome. N'est-ce pas? Amen. Il quitte les hommes qui couchent avec les hommes. Et puis ça va se mettre là où les papas couchent avec leurs filles. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a fait? Béni soit le nom du Seigneur. Si vous êtes une semence royale, gloire au Seigneur. Lorsque vous allez vous éloigner du message, je vous assure, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Aussi longtemps que Dieu vous appelle, le fils prodigue, Jésus n'a pas dit le fils prodigue, il est parti là-bas, pour lui il était bien. Et voici une belle image de l'amour de Dieu, j'aimerais que vous voyez cela. Christ qui va à la recherche du rétrograde et du pécheur. Hein, Abraham allant rechercher Lot. À chaque fois que vous évangélisez quelqu'un, vous êtes un Abraham allant rechercher Lot. À chaque fois qu'un frère s'éloigne de la communion fraternelle et que vous prenez votre téléphone, vous l'appelez, ou bien vous allez vers lui pour essayer de l'encourager à revenir à Mamré, vous êtes un Abraham. Vous êtes l'un des 318. Ne dites pas, je suis en train de gaspiller mon argent. Je suis en train de gaspiller ceci. Vous êtes en train de travailler pour le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Des rois, des ennemis sont venus et ont emporté la femme de Lot. Ils ont emporté les rois de Sodome et ils sont partis. Et Abraham, dès qu'il a appris que son neveu Lot, ils ont le même sang. Amen. Ils ont le même sang. C'est pourquoi, lorsque un frère arrête de venir à l'église, ça vous fait mal. Hein? Vous le voyez là, il se promène là avec une Sidonienne ou bien une Philistine. Vous dites, mais comment le frère là et tout ça? Quelqu'un qui disait Amen, etc. et tout ça. Mais comment est-il tombé? Hein, frère, le démon du sexe. Si Dieu peut nous faire grâce. Ah, mais ça serait vraiment merveilleux. Mais cette arme du diable depuis le jardin d'Éden, il n'a jamais laissé ça. Vous comprenez cela? Que Dieu nous aide. Aide les sœurs, aide les frères. Même ceux qui sont mariés. Quelquefois à la maison, ils insultent leurs femmes, etc. Parce qu'ils ont vu une Philistine. Ils ont vu une Philistine là-bas. Amen. Qui rit, gia, 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 gia. La femme, tant qu'elle n'est pas encore mariée avec toi, elle est bien. L'homme, il n'est pas encore marié, il est bien. Il ne voit pas en toi des défauts. Tant que tu ne l'as pas pris, et la dernière fois je vous disais, un homme, quand il voit une femme, tant qu'il n'a pas couché avec elle, gloire au Seigneur, il veut toujours d'elle. Il veut toujours d'elle. Elle va venir, il va même pas savoir que sa femme est plus belle que celle-là. Abraham, dès qu'il a appris que son neveu Lot avait été pris par l'ennemi, considérez cela. Abraham a rassemblé tous ses serviteurs. Et il a poursuivi l'ennemi, il l'a capturé et il a ramené Lot.
quelle image de nous, la race déchue d'Adam? Suivez bien. L'ennemi nous avait capturés. Et Dieu le Père a rassemblé l'armée des cieux et a poursuivi le diable jusqu'à ce qu'il l'a vaincu à la croix de Golgotha, écrasé sa tête. Et nous a ramené sains et saufs. Quelle image du salut! Jésus-Christ est notre Abraham. Gloire au Seigneur. Il a armé les anges des cieux. Il a armé les prophètes. Gloire au Seigneur. Afin de nous libérer des liens du diable. Et nous sommes assis ici ce soir. Ne retournons plus à ce nom. Quand je peux parler à quelqu'un au dehors, amen, pour dire ta place n'est pas dans cette condition. Ta place n'est pas dans cette vie. Ta place n'est pas dans cette condition de vie-là. Ta place, c'est à l'église. Ta vie doit être une vie chrétienne, pas une vie de péché. Ta vie, ce n'est pas de t'habiller comme cela. Ta vie, c'est de t'habiller comme cela. Gloire au Seigneur. Nous sommes les 318 soldats pour ramener cette personne. Et ne nous lassons pas de faire. Gloire au Seigneur. Nous sommes tous appelés à le faire. Certains, bien sûr, ont le don spécial pour le faire. Amen. C'est pourquoi je le fais pas. Je ne dois pas dire, comme l'autre ne fait pas, moi aussi je ne le fais pas. Non. Gloire au Seigneur. Il faut que quelque chose en nous nous pousse à le faire. Amen. C'est ça? Gloire au Seigneur. Eh bien, Abraham était, voilà, c'est ça. Assurément, il était héritier. Puis, peu après, Lot a eu des ennuis. Eh bien, nous allons terminer dans une minute. C'est ça. Lot a connu des ennuis. Amen. Et vous connaissez toujours des ennuis chaque fois que vous rétrogradez. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Chaque fois que vous rétrogradez, ça vous permet, ça vous donne de savoir que la condition dans laquelle vous êtes là, ce n'est pas ça que Dieu vous a appelé. C'est pourquoi on doit avoir des ennuis. À chaque fois qu'on quitte le vrai chemin, amen, que Dieu envoie des ennuis. Amen. Ça doit être même une prière. Pour que je puisse savoir que la condition dans laquelle je suis, ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Enfin, que je puisse quitter là. Si le fils prodigue était bien, tout lui réussissait là-bas, amen, il n'allait jamais vouloir revenir à la maison du Père. Et les ennuis et les problèmes, lorsque nous rétrogradons, est une bénédiction pour l'enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est une bénédiction. Amen. Alors nous savons que Dieu a l'œil ouvert sur notre vie. Dieu veille sur nous et ne veut pas que nous soyons perdus. Amen. Alors il va nous fouetter, peut-être par la maladie. Gloire à Jésus-Christ. Lot a connu des ennuis. Et vous connaissez toujours des ennuis chaque fois que vous rétrogradez. Je souhaiterais que nous ayons le temps de nous attarder là-dessus. Mais il a connu des ennuis. Qu'arrive-t-il? Un ennemi vint et l'emporta. Eh bien, Abraham a une fois de plus joué le rôle de sauveur. Nous comprenons cela? À chaque fois que vous évangélisez quelqu'un, vous êtes un sauveur. À chaque fois que vous essayez d'encourager votre frère, votre soeur, à demeurer dans la foi, vous êtes un sauveur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. À chaque fois que tu vis bien, tu es dans l'église, tu produis une vie digne de l'évangile, tu t'habilles bien, tu vis bien, tu obéis à la parole, tu es un sauveur. Parce que ton attitude et ton comportement interpellent quelqu'un, aident quelqu'un. Abraham a une fois joué le rôle de sauveur. Il s'est lui-même mis en garnison et a pourchassé l'ennemi qui avait emporté son pauvre frère rétrograde et corrompu. Que Dieu nous aide. C'est son affaire. On lui a parlé jusqu'à ce qu'il ne comprenne pas, c'est son affaire. Il n'a qu'à aller là-bas.
C'est ce que Jésus a fait. La maladie, vous avez lié. Le péché, vous avez lié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On peut se mettre bien. La maladie nous avait liés. Le péché nous avait liés. Nous étions pauvres, rétrogrades et corrompus. Puis, Jésus vint et alla à notre recherche. Amen. Et il ramena Lot. Abraham l'a fait. Gloire au Seigneur. Que l'œuvre de Jésus-Christ ne soit pas vaine. Que la croix ne soit pas une vanité. Que son sang ne coule point en vain. Gloire au Seigneur. Amen. Mais qu'il soit, que la gloire lui revienne. Parce que, comme au jour de Moïse, il a entendu le cri. Notre cri. Le temps était arrivé pour nous. Gloire au Seigneur. C'était le moment précis pour nous d'être sauvés. Et il a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il a versé son sang et il nous a rachetés des liens du péché. Tel que nous sommes assis là. Que Dieu fasse que rien dans notre cœur, alléluia, ne puisse nous éloigner. Rien ne nous éloigne du Seigneur. Qui nous donne toujours la force de demeurer à sa présence. Lorsque je m'éloignerai, peut-être, amen, par une vie, peut-être que je penserai que c'est bien. Qu'il m'envoie des songes. Qu'il m'envoie un frère. Qu'il fasse quelque chose. Afin que je sois sur le chemin de l'exaucement. Gloire au Seigneur. Parce que quelquefois, il arrive que nous posions peut-être par la parole, par des actes, et nous avons honte de nous-mêmes. Nous avons besoin de nous repentir. Peut-être nous avons regardé un film, écouté une musique, écouté faire ceci qu'on ne doit pas écouter faire, etc. Des causeries où nous sommes allés trop loin et nous nous sentons vraiment tristes. Que Dieu produise toujours cela en nous. Cela nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie. Amen. Et lorsque je sens que spirituellement je suis en bonne santé, je le sens moi-même. Je sens qu'il y a une air fraîche qui souffle dans mes ailes. Que Dieu nous aide, frère. Lorsque ton frère te verra et t'approchera, ne sois pas orgueilleux. Frère, je voulais te parler de quelque chose que j'ai remarqué en toi. Je voulais te parler de quelque chose. Oui, parle-moi, frère. Gloire au Seigneur. Si c'est quelque chose de bien, que Dieu soit béni. Si c'est quelque chose que je fais qui n'est pas bien au regard de la parole, que je puisse me repentir. Il ne faudrait pas que ça soit pas bon. Et puis on dit, oh, on accepte comme cela. Parce que le chant évangélise. Le chant attire l'onction. On ne doit pas jouer avec cela. Amen. Et en conduisant bien, j'aide un frère. J'aide une sœur. Peut-être que mon frère, ma sœur est venu à l'église dans une condition vraiment pas possible. Même par l'adoration, par les cantiques que je chante, je suis en train de lui donner des forces. Gloire au Seigneur. Amen. De revenir dans l'esprit du Seigneur. Que Dieu nous aide en cela. Que chaque acte que nous posons, que ça soit pour aider un frère, aider une sœur, à se réconcilier avec le Seigneur.